Frère, bien? Tranquille, ça va? Eh, t'es en une soirée raga, t'es pas dormi, on était que entre Renois, v'là l'ambiance boutisec! Genre t'es rentré? Ouais, enfin devant la porte, y'avait trop d'ambiance. Eh ben vas-y, viens, on se fait un FIFA là! Non, non, attends, je peux pas, mon père et ma mère ils sont pas là, ils veulent j'ouvre la boutique, wesh! T'es sérieux? T'as vraiment laissé les clés? Mais ouais, vas-y, viens m'aider, wesh! Eh, mais c'est tout, mon frère! Tu connais quelque chose? Bien sûr, je m'y connais en pharmacie, mon frère! J'ai vu tous les épisodes à Dr. House! En plus, c'est pas compliqué, les gars, ils demandent quoi? Ils demandent un truc pour le bide ou de l'aspirine, wesh! Sérieux? Mais oui, Excusez-moi. Vous pouvez vous occuper de moi? Je t'ai pas eu là ton 10 minutes là! Qu'est-ce qu'il y a? T'as mal à la tête? Ouais. Prends de l'aspirine! Non! Easy! Rien qu'on est pharmacien! Eh! Hey, c'est la pharmacie, si la famille! Non mais dis pas si la famille là avec ton. Si la famille! Non, ah, non, dis pas ça! Je fais une crise d'asthme! Il me faut un pchit-pchit! Ouais, c'est chaud là! Fabien, fais quoi là? Fais quoi? Tranquillement, mon frère, il y a une technique! T'as une ordonnance? Non mais là je m'étouffe là! Vas-y, barre-toi! T'as pas d'ordonnance, wesh! Moi j'ai de l'aspirine! Non, comment t'es trop un docteur? Allez, appelle-moi Docteur Queen, wesh! Je crois que c'est une femme médecin, hein? Ah, vas-y, appelle-moi pas comme ça, alors, chance, c'était une meuf. Et franchement, je crois que tu trouves une meuf de la meuf de Nenobiole. Mais non, mais n'importe quoi, ça c'est du faux, elle prend des gélules pour avoir un meilleur boule. Pardon, mais j'ai mal quand je touche. Bah vas-y, touche pas, wesh. Tu vois, Rihanna, elle est trop fraîche. Non, mais j'ai mal quand j'avale. Avale pas, putain! Putain, mon daron, je sais pas comment il fait, là, les gens ici, ils posent que des questions trop cheloues. Bonjour, vous auriez un shampoing démêlant? Pour mes cheveux? Mais t'es mal, docteur, là, il a écrit en hiéroglyphe. On dirait un papyrus, ma parole, wesh. Ah, il a écrit quoi, monsieur, là? Matin et soir. Putain, il a été cru que c'était un pharaon. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai très très mal aux yeux. Ça me gêne. Il pleure énormément. Je suis allé voir sur le site Doctissimo, ça serait une conjonctivite. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, non, mais genre, y a pas autre chose aussi, genre, genre t'as pas mangé un truc, genre pas cuit ou. Ah non, je fais tout à la poêle. Oh, vas-y, bah, vas-y, bouge pas, je vais chercher du. Une pince à épine, ouais, truc. Vas-y, je reviens, Elle te comprend trop, frère. C'est la même chose à la longue. Non, vas-y, t'es mort. La machine à carte vitale, elle déconne. Désolé. Hein. Mais comment je me fais rembourser, moi? Mais ça va, pour 3 euros, tu vas pas chialer, wesh. Mais oh, c'est mon droit, moi. Le trou de la sécu, c'est pas mon problème, hein. Ce sera ton problème quand le trou, il sera entre tes yeux, sale schlag. Vas-y, pars-toi d'ici, là. T'en veux? C'est senteur forêt. Franchement, on sent bien le goût de la foudre là-dedans, là. C'est quoi? Mon rep, je le respecte trop, en fait. Toi, le mec, il fait 9 ans de médecine. Tangente, hypoténuse, tralalilala. Et en fait, le gars, il passe ses journées à vendre de l'aspirine à des bouffons. Ouais, j'avoue. Mais je crois, il kiffe. Franchement, hein, il te fait confiance, là, pour filer la pharmacie et tout. C'est ouf. Ouais. Eh, je me disais, les bonbons, là, les rigolasses, ça vient de quel pays? La Suisse. La Suisse. Franchement, je crois, ce truc, ça me fera toujours gaulerie. Tête de wam. Vas-y, viens, que main. T'es sourd, c'est sourd. Non, t'es mal, il y a le vieux Lionel. Putain, avec tous les bouffons qu'on s'est tapés, tu es presque content de les voir. Wesh, les gros. Ah, mais vous faites quoi ici là? C'est la pharmacie, c'est la famille. Tu fais trop tiède, ferme là, franchement. Qu'est-ce que tu veux toi? Je veux des capotes, senteur fraise. Attends, pourquoi tu veux des capotes toi? Bah pour Ken. Quoi? Quoi, vous avez jamais Ken ou quoi les mecs? Bien sûr, j'ai déjà Ken, voyage scolaire au Mont-Saint-Michel, mon frère, tranquille. Attends, genre toi tu vas Ken? Bien sûr, là je vais Ken. Lionel il va Ken. Eh, t'as une ordonnance? D'où y a besoin d'une ordonnance pour Ken? Vas-y, ta meuf, c'est une ordonnance, tu la ramènes, on verra après, wesh. Vas-y, je vous laisse, bande de puceaux là. Je vais Kenny, Kenny. Bouillard! Faut pas qu'il ken. Ouais, allô faut papa? Pas qu'il ken. Faut pas qu'il ken. Ouais, tranquille, j'oublie pas les tomates, t'inquiète. Faut pas... Les tomates? Oh putain, tu sais que je suis, tu sais que nous sommes! Putain, les tomates! Y'a pas de tomates dans la pharmacie. Je trouvais ça chelou aussi, moi. Franchement, je savais c'était la boutique de ma mère qu'elle allait ouvrir, là, c'est plus simple en fait. Yes, là c'est l'épicerie, c'est la famille. Ouais, ça marteau pas là. Là, ça veut rien dire. Là. Va chercher les trucs jaunes là, un peu plus gros que les oranges. Les pamplemousses? Ouais, les pamplemousses. Mais on dirait ça fait tiède les œufs. Mais en fait, ça me fait trop gueuler. Allez. Laisse prendre les ananas. Non, en fait, ça fait tiède. Eh, Théma, il y a des litchis. Eh, ma parole, tu fais trop tiède. Hein.